Salut, bonsoir, c'est Polo, bienvenue sur South Park, la nage du destin, et c'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on s'est laissé ici, et si vous vous rappelez, il y avait de la merde qui s'est passée ici, parce qu'il y a beaucoup de sang ici. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé là, mais... Ah! J'espère que ça ne s'est pas... Anyway, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça, aller ailleurs. Attendez une seconde! Peut-être que je n'ai pas vérifié une pièce en général, hein. Parce que vous voyez, je crois qu'ils sont allés en haut. Il y a eu un meurtre dans la cuisine. Là, ils se sont cachés ici quelque part, mais je ne sais pas où. La dernière fois, je ne les ai pas trouvés. Mais peut-être cette fois-ci, je pourrais les retrouver. Non. Oh. Non, okay, ça, c'est pas une craque, hein. Mais où sont-ils? Il n'y a plus de sang nulle part, alors Mais ils sont vraiment rentrés dans cette pièce. Peut-être qu'on va trouver de quoi la prochaine fois, hein? On sait jamais, on sait jamais. Bon, en tout cas, on va continuer notre aventure. Et j'ai envie de faire, de compléter la quête secondaire de mon poteau. C'est-à-dire, je vais vous le montrer après. Pour l'instant, on va changer de costume. On va prendre... il est où le costume que j'avais retrouvé la dernière fois? Je crois que c'est seulement dans les vêtements ici. Ok, il y a ceci. Supernova. Ouais, c'est le dernier costume que j'ai obtenu la dernière fois. Et on va prendre ça, voilà. En ce qui concerne la tête, j'ai pas de tête de supernova, malheureusement. On va prendre une tête qui va bien avec le costume. Ouais, voilà, voilà. Et là, donnez-moi une seconde, je vais juste enlever ma moustache, là. Et ensuite, création. J'ai pas de costume, rien. C'est very good. Et là... Les potes de la liberté. Tous les potes de la liberté sont tenus de se rendre à la base sur le champ. Je répète, tous à la base. Ah! Ok, ok, voilà la quête principale. Mais, il y a une quête qui est assez intéressante que je pourrais faire. Donnez-moi une seconde. C'est... Non, c'est pas ça. Où es-tu? Ah, c'est monte au ciel. Rencontre ton guide spirituel à la mare de Stark. J'ai vraiment envie de faire ça, juste pour le plaisir. Et je crois que je vais le faire, ouais. Okay, let's go les boys. C'est pas si loin que ça, mais vraiment pas loin. T'as besoin d'un trajet express? Express? Oui! Plus! Il faut avouer que ça c'était express, oui! Est-ce que c'est là-dedans qu'il fallait aller? Non! Salut petit! C'est moi, Classy! Je voulais juste te remercier de t'être occupé du chef de la police. Grâce à toi, je suis libre maintenant. Si t'as besoin d'aide, appelle Classy. Avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli cul. Ah, maintenant je peux t'appeler. Ok, on va le temps. On va l'essayer, on va tenter le coup. J'ai envie de voir ça a l'air de quoi. Bon, donnez-moi une seconde. Ouvrir la carte. C'est vraiment là-dedans, hein. Ah, attends. Oh non. La quête se retrouve ailleurs. Comme où est l'église? Oh, c'est super loin. What? Ok, ben, vous savez quoi? Non, on va faire la quête principale. Let's go. Puisqu'on est déjà là. Ouais, pourquoi pas, hein, les boys. Ok, y'a rien. Pour la quête secondaire, on va faire ça une autre fois. Si on passe à côté. Il s'est envolé, mec! Le projet de franchise de Timmy, tout ce boulot, il est quasiment illisible maintenant! Ils ont dû venir la nuit franchir la matrice de sécurité. Timmy... Mais qui ferait ça, bordel? Je parie que c'est les sixièmes. Y'a que pour tomber si bas. Non, je pense que c'est une vengeance personnelle. Oui, Siri. Message vidéo entrant. Passe le message, plein écran. C'est quoi cet endroit? Mais c'est pas les parents du nouveau! Ceci est un message pour le coup des sabandes! Oh, bon dieu de merde! On dirait bien que j'ai quelque chose que le nouveau veut! C'est bien, car il a quelque chose que moi je veux! Connard! Quel fils de pute! Alors, le nouveau, tu veux faire un échange? Faisons un marché! Écoute, mon grand, tu vas avoir de gros problèmes si. Aïe! Va te faire foutre, ma gueule! Il m'a frappé! Non, mais vous avez vu ça? Sors, il fait exactement ce que je te dis, le nouveau. Sinon, tu ne reverras jamais tes parents. Et
droit, sinon je remets ça. Arrêtez ça. Où ils sont, gros tas? Tu parles de qui, homme cerf-volant? Les parents du nouveau, ils sont où? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Parce que c'est toi, putain! Tu as kidnappé les parents du nouveau parce que notre fusion avec les potes de la liberté te fout la rage! C'est faux! Je veux cette méga franchise plus que n'importe qui! Dites-le, les gars! Tu as 5 secondes, Cartman. Je suis de votre côté! Le nouveau! Toi, tu me crois? Pas vrai? Ah, Timmy! Je prouverai mon innocence, enfoiré! Venez, on doit rattraper ce gros balourd! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh! What? Tu me donnes tout? What the? Ok, savez quoi? Juste pour le plaisir, on va utiliser de nouveaux trucs. Pour le spécial, on va utiliser ça. Et là, oh my god, il y a tellement de trucs que je voudrais utiliser. Je vais prendre ça à l'aveuglette, là. Ça, comme ça, et ça. Je sais pas, moi. Je sais vraiment pas quoi prendre. Je vais prendre ça. Ouais, juste pour le plaisir, je vais prendre n'importe quel pouvoir. On t'a déjà dit que t'étais pas mal comme garçon. Merci beaucoup. Non, mais est-ce que... Vous êtes sérieux? Il m'a donné tous les pouvoirs! Il est tellement gentil! Il m'a donné sa one shot! Et puis, le coup, il était comme... Oh, ok. Je te donne un pouvoir à la fois et ça a pris du temps. Très bien, le nouveau. Je vais te dire où aller et tu vas y aller à pied. Pas de déplacement rapide, compris? Le premier, c'est facile. Va à l'endroit où les gens prennent leur café. Dépêche-toi. Tic-tac, tic-tac. Ok, c'est à droite, alors. Donc, laissez-moi voir si on me dit qu'il faut aller... ok, ben voilà, c'est, je savais que c'était à droite. Hey, vous savez, j'ai pas envie de regarder toutes les attaques, les lire un par un, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Et je devais dire une par une, c'est une attaque. Peut-être plus tard, je vais le faire. Mais vous savez, ça prendrait beaucoup trop de temps pour faire ça. Ce serait plus logique de faire ça, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Moi, je vais juste me battre, voyons donc. Est-ce qu'on sème des ombres ou la pagaille aujourd'hui? Oui, et encore oui. Boîte à outils, là. Wouh! Bravo! Ça me tente pas de rester là, comme pendant 3-4 minutes à lire toutes Qui les attaques. Qui peut tenir tête au chaos? Personne. Enfin, qu'est-ce que t'as, imbécile? T'as peur d'un petit chaos? Ouais, j'ai peur d'un petit chaos, vous avez un problème? Quand tu arrives à cet endroit, tu verras un gars en chemise rouge. Va lui parler. Gars en chemise rouge. Bonjour, bienvenue au Café Twig. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que c'est toi le gars en chemise rouge? Les enfants de cette ville doivent apprendre à contrôler leur corps. Ah, c'est sûrement Merci toi! Merci pour ton aide, vengeur. Ah, ok. Les potes... Oh, waouh, c'est le justicier. Mais au fait, t'es un héros ou un méchant? Ah, vache, ce café me fait vraiment tourner la tête. Bonjour. C'est pour toi. C'est bien, le nouveau. Cette fois, ça va être un peu plus dur. Au lieu de te dire où aller, je vais te donner une énigme. Tu es prêt? Un endroit où la mort revêt toutes sortes de formes. Va dans ce magasin pour découvrir ta récompense. Mec, avec ce truc, je suis défoncé. Ah! Ok, je me demande si on va le marquer sur la map. Où c'est? Ah! Ok. Résous la devinette de Connor. Ok, faut vraiment que je fasse ça. C'est bon. Donc, va dans le magasin. C'est ça, attendez, on va voir ça. Freeman's Tacos, Sloppy Seconds, Tom's Arena, D-Mobile, Raisin. Peut-être c'est au raisin, hein? On sait jamais. Non, c'est D-Wok, ce qui te wine bar. Yo, il y a tellement d'endroits. Bon, ouais, on va aller visiter un par un jusqu'à ce qu'on le trouve. Let's go! Alors, tu te crois plus malin que gars du City Ninja? Ah! Crois pas que tu peux t'échapper!
les gars du City Ninja, toujours avoir un plan B. Tu t'es fait de nombreux ennemis dans cette ville, le justicier. Et maintenant, toi, falloir affronter nous tous en même temps. Leader de groupe, révélez-vous! Les sixièmes! Les filles du raisin! Ils nous ont volé notre travail! Les hommes crabes! Ha ha ha, justicier! Tout le monde a les nerfs contre toi! Prépare-toi à mourir! Est-ce que vous êtes sérieux? En plus, on m'a attaqué en premier. Ok, attends, on va apporter des modifications à notre équipe, là, cette fois-ci. Bon, qui est bon ici? Ok, je sais que toi, t'es bon. Là, monsieur Tupperware, on va le changer à... À lui. Quickie! Mysterio est good? Moi, je suis good. Ok, la deuxième chose à faire, c'est changer mon ADN, je pense. Parce que là, non. Laissez-moi voir si je devrais changer quelque chose. J'ai un bon brin d'ADN en ce moment, qui donne 25% à tout ce que j'ai, sans effet négatif. Alors ouais, on va le garder, let's go. Go, commencez le combat. On m'a dit que tu m'as traité des sixièmes, le CM1, c'est pas gentil. Prêt à laminer l'ennemi à la vitesse du son. J'espère que les attaques que j'ai prises sont correctes. Attends, lui, il y a combien de bits? 720, là, à gauche. Laisse-moi regarder à gauche, man. 110, 108. Je peux pas regarder à gauche, la bande de choc. On va tuer les bonhommes à droite tout d'abord. Let's go, les boys! L'homme crabe! Père! La prochaine fois, retourne l'élan de l'ennemi contre lui! Qui que quoi à la fin? Waouh, trop cool! Toi, pas prendre moi de haut, gamine! Putain, je sers à rien, si seulement j'avais un magazine de boules! Un magazine de boules, what the fuck? Donc ça, je peux pas attaquer de monde avec ça. Ça, il faut que je sois un peu plus proche. Oh, oh non. Attendez, et si je vais là, je peux attaquer deux personnes. Oh, attendez, si j'attaque une personne, ça fait 159 dégâts. Ça, 108. Ah, ok, c'est parce que je le repousse. D'accord. Attends, et là, ça, je peux rendre quelqu'un confus, c'est ça? C'est mon tour, là. Oh, ok, on va se concentrer sur l'homme crabe. Oh mon dieu, tu l'as laissé seul. Il va pincer le monde! Capitaine Diabète s'apprête à frapper! Bon, Capitaine Diabète peut pas vraiment attaquer le monde là, mais pour l'instant, on va faire. On va faire ceci pour obtenir un peu plus de protection. Ah! Tu touches pas mon petit cœur! Je l'ai, les gars! Ok, lance. Mysterion! Que pourrais-tu faire, mon gars? Je crois que je vais faire ça, hein. Attends, un adversaire à soi, il inflige des dégâts. Je me demande si je peux faire des dégâts avec... Vous avez besoin de mon ninja. Je donne bon de réduction pour petites économies. Avec le wannabe Hawk, c'est ce que je voulais savoir. Bon, si je me place là... Oh, je peux pas. What the fuck? Attendez. What? Si je me place là... Ok, je peux l'attaquer. Let's go! Yeah. Pourquoi les humains persécutent la race des crabes? Je ne sais pas. C'est... Okay, on a faim. Oh, ok, non, là ça fait trop mal. Mais le crabe a même pas attaqué une seule fois, vous avez vu ça? 1, 2, 3, 4 et 5, il est dead. C'est bon. Qui veut un coup de pied au cul? What? Laissez que je vous montre, bande de tocards, comment on se la fait. Là, je pourrais utiliser ça, hein, ça fait beaucoup de dégâts quand même. Ou bien ça. Oui, peut-être que même si. Attends, je crois que je vais aller là comme ça. Ouais, let's go, les boys. Papa, on va les repousser. Wouh! Je me suis fait brûler les fesses, ça c'est no good. Ok, ouais, ça. Je croyais que vous autres ninjas, vous vous changez en fumée, ce genre de truc. C'est pas authentique, prise ninja. What the fuck? Ils sont stupides. Les autres filles du raisin auraient flippé en voyant avec qui je me battais. Aou! Oh non, je me suis fait ensorceler. Ok, oh, ça me tente trop de tuer le mec. Ok, j'ai une idée. J'avais dit que j'allais utiliser ceci. Mais on va attendre un tout petit peu. Tout d'abord, ce que je dois faire, c'est un petit dot Orishi.
Oh, je peux pas utiliser mon antidote. J'adore vos costumes. J'en ai eu un dans ce style-là, sauf qu'il avait un haut plus féminin, genre boléro à fronce, et un legging trop mignon avec un imprimé libellule. On va l'utiliser, puisque je peux pas antidoter mon petit bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? T'es mort, imbécile, mort! C'est ça que tu as pensé sur nous aussi? Classy est vraiment classy! Quickie est dans les starting blocks! Ok, ouais, je sais que je pourrais les tuer facilement, mais je vais ranimer mon poteau ici, juste pour voir à quoi ressemble son attaque spéciale! Tu vas y arriver, Trouduc! Ça fait quand même beaucoup de dégâts, oui! Ok, let's go! Eh, doucement avec la petite dame. Montrez-moi des photos de vos mères à poil et on vous laissera peut-être tranquille. Je suis vraiment surpris qu'elle ne soit pas défigurée avec toutes ces attaques. Vous êtes trop intéressant, les gars. Pas comme ces losers qu'on bastonne. Wow. Un peu de gentillesse, s'il vous plaît, man. Je crois que je devrais nous guérir un peu, hein. Attendez, Non, il va mourir one shot, le nouveau. Bon, ok. Ça sert à rien de... La sœur de ma mère a mis un cours d'algèbre avec le frère de ce sixième. J'attends la commande. Notre brutaliste se fait brutaliser. Ouais, parce que vous avez vu, elle a fait 300 points de dégâts. Et là, j'ai juste quelque chose qui régénère 200 selon moi. Ouais, j'ai juste quelque chose qui régénère 200. Alors ça sert à rien. Bon, en tout cas, je crois que je vais attaquer ce bonhomme. C'est plutôt du Krav Maga ou du Muay Thai? En quelque sorte. Okay, je crois que je vais faire ça comme ça. Yeah. Wow, t'es vraiment partout. Yep. Putain, regardez ça les mecs. Ouais, nique les gamins. Les gamins, nique les gamins. T'en coller une bonne, ça te remettra à l'endroit. Yeah. Je parie que ce petit CM1 a chié dans son pyjama. Vraiment pas, mais bon. Alors, je crois que je vais attaquer la fille parce que prochainement c'est son tour. T'as eu de la chance, microbe. C'est toi le microbe. Si je vais attaquer toi comme ça. Pas besoin de faire dernier X. Correct. L'Amérique. Aime-la ou va chier, socialiste. Bon sang, où est-ce qu'on va se trouver un autre revenant? J'ai pas envie d'utiliser mon atcam. Les sérums de réanimation. Va voir ma pelle. Alors, je vais tout simplement l'attaquer comme ça. Bah, bah. Yeah. Un petit coup de main. Ça devrait être Tigidou. Là, on va faire ça comme ça. Mysterio a abandonné le paradis pour revenir sur Terre et sauver ses potos. Ça, c'est un bon mec, vous avez vu ça? Yeah. T'as vu ça? Qui a besoin d'étoiles de ninja et de pinces de crabe? Ah, on va faire ça comme ça. C'est bon, Yedel. Réveille-toi de nouveau, on a gagné. Est-ce qu'on peut manger le crabe? Oui, non. Il me manquait 15 points d'expérience juste pour la... Ah. On va l'avoir la prochaine fois, les boys. Non, mais, pourquoi ils m'ont attaqué de nulle part comme ça? Ils sont vraiment méchants, oui. Et là, tout ce que je vais faire, c'est aller vers les boutiques pour terminer la quête. C'est moi, un endroit où la mort revêt toutes sortes de formes. Qu'est-ce que ça peut être? Il faut qu'on résolve cette énigme, qu'on batte Connor ensemble et qu'on prouve notre innocence. Oh, et merci d'être le seul qui ait confiance en moi. Juste pour te dire, j'ai pas confiance en toi, mon gars. Voyons donc. Mais bon, je vais aller chercher le chat. Vite, bien, bien fait. Dans la seconde. Bon, bon. Piou! Yes! Je l'ai mis dans ma poche magique! Non mais honnêtement, où est-ce que ça peut être? Sauvélis, j'ai suivi toute l'affaire. J'essaie de localiser Cartman. Pour le moment, fais ce qu'il dit pour ne pas qu'il se méfie. Yo, le money genie, voilà, le money!
petit ninja, il m'a presque pogné, ouais. Bon, ok, je vais écouter Cartman, mais l'affaire, c'est que je sais pas où est-ce qu'il faut que je me dirige. C'est ça le gros problème, voyons donc. J'ai dit que j'allais explorer tous les magasins, mais le magasin qui est relié à la mort, c'est... ceci, non? Non. Ah, tu as résolu mon énigme, hein? Tu es moins bête que je ne pensais. Tu vois le mec qui est là? Fais un selfie avec lui, fais-le vite, ou ta mère va souffrir. What? Combattre le crime n'est pas un jeu, justicier. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Quoi? Si je prends pas de selfie, tu vas faire du mal à ma mère? C'est quoi ton problème? Non, mais what the fuck? Tu chauffes le nouveau, mais pour me trouver, il va falloir résoudre une dernière énigme. Je suis à un endroit où on s'assied au bout de chaîne. Moitié désert, moitié jungle, la joie irait. Moitié désert, moitié jungle? Hein? Attendez. Est-ce que ça peut être ici? Parce que c'est désert, et t'es dans la forêt, donc la jungle, entre parenthèses. What the fuck? Moitié désert, moitié jungle? Je suis en train de regarder ça. Selon moi, ça devrait être ici. Ouais. Comment as-tu résolu mon énigme? Bon Dieu, t'es tellement malin que ça m'enfile des frissons. Bien, tu vois la femme, va lui parler. Moitié désert, c'est le sable ici. Moitié jungle. En tout cas, là, c'est ici. Et puis, les chaînes, là, la joie qui règne, c'est ici. C'était quand même évident. Ah, ok, non, c'est pas selfie time, c'est... Il m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'il demande, il ferait des choses horribles à mon patient. Prends un selfie avec elle, maintenant. Il a dit qu'il ferait caca dans mon patient. Que t'es-je censé rien faire? Elle était en train de parler non-stop, et là, elle fait... Ça devrait aller, gamin. Désolé, mais j'ai maintenant ce qu'il me faut. À plus. What? Là, je suis supposé faire quoi? Lys Nouvelis, je l'ai localisé. Il a envoyé tous ses messages du centre communal. Centre communal? Vous l'avez entendu, les potes de la liberté? Tous au centre communal! Quoi, on doit faire un raid au centre communal? Mais moi j'ai d'autres choses à faire. En plus, vous savez, il vient tout juste de me parler. Mais je vais... Je me suis trompé d'amis. Oupsie daisy, c'est ceci. Il faut aller tout en haut, c'est vrai. Ok, mais pour ça, pour ces camps-là, je vais chercher ça plus tard. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, point vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye.